Notre projet, c'est des carpools, ça veut dire non pour le covoiturage. L'idée du projet, c'est faire une connexion entre deux voitures, de façon à avoir une caméra installée sur une des deux voitures qui détecte la plaque d'immatriculation de l'autre voiture et envoie un message personnalisé à la voiture destinataire. J'avais cette idée à cause d'un incident qui m'est arrivé une fois. J'étais en train de conduire et j'avais les écouteurs dans les oreilles et j'avais les fenêtres fermées. Je sais que c'est interdit là en France, mais au Liban, c'est pas interdit jusqu'au moment. Alors, j'ai regardé le rétroviseur et j'ai trouvé quelqu'un qui me fait le doigt de l'arrière. Il était vraiment fâché. Après, j'ai constaté qu'il était en train de me klaxonner tout le temps. Et moi, comme j'avais les écouteurs dans les oreilles, j'ai pas entendu. Alors, j'étais dans une situation d'un malentendant. Je me suis dit pourquoi il n'y avait pas un moyen pour qu'il puisse me contacter directement si je n'ai pas fait attention. Cette idée sera très utile pour les personnes malentendantes parce que, par exemple, on a fait une recherche et on a trouvé que dans 60 pays, c'est interdit aux malentendants de conduire. Le projet, c'était dans le contexte du hackathon lancé par Nokia au Proto 204. Ça fait part de notre étude en Master M2 CETI. C'était en fait le projet de fin de l'année. Pour valider le Master, nous devons présenter ce projet. Et j'avais la chance d'être accepté de travailler sur ce projet. Et ça a bien passé. Nous envisageons d'avoir un financier, par exemple les fabricateurs des voitures comme Renault, qui vont intégrer ce système dans la fabrication des nouvelles voitures pour qu'elles soient utilisées sur le terrain.